je m'appelle Dos Santos Trésor, je viens de Strasbourg, quartier de Pierre, je mesure 1m76, poids 84 kg. Mmh. Et voilà, j'ai commencé le MMA il y a 2 ans à peu près. Mmh. Ça m'est venu de internet, comme tout le monde. Hein. J'ai regardé Wanderlei Silva, John Jones, ça m'a beaucoup passionné quoi. Voilà. Donc, voilà, j'ai un ami qui m'a ramené au club, j'ai fait un essai, ça m'a plu. Mm-hmm. Voilà, j'ai continué. Là, je suis à fond dedans. Okay. Je suis à fond. D'accord. Je suis au taquet. D'accord. Justement, tu t'entraînes combien de fois par semaine? En moyenne, trois fois par semaine. Ouais. Et je suis aussi un peu d'anglais à côté. D'accord. Histoire d'être histoire de compléter tout quoi. Mm-hmm. Voilà, un peu de taille aussi. D'accord. Là, j'ai commencé un peu le jiu-jitsu. Okay. Il y a quelques temps là, ça me plaît bien. D'accord. Donc, voilà, là, j'espère que j'ai beaucoup évolué. Mm-hmm. Et gagner des titres quoi. C'est mon but. Voilà, c'est ça. Oui, je m'appelle Bruno Prats, je mesure 1m71, 80 kg. Je viens de Thaon-les-Vosges. Mon club c'est le Fighting Spirit 88. Donc, j'ai commencé le karaté à l'âge de 10 ans. J'en ai fait 6 ans, j'ai eu la ceinture noire. Après j'ai fait 2 ans de boxe thaï. Après redéménagement, j'ai fait 4 ans d'aïkido. Après au niveau professionnel, je suis arrivé dans les Vosges. Où là j'ai commencé le Kempo, le Shorigin Kempo. Et là je prenais des dos au sol. Donc là j'ai vraiment appris le judo, spécifique sol, le Newaza, pour m'en sortir. Tout en continuant la boxe thaï à côté et voilà. D'accord. Et justement, comment t'es arrivé au MMA? Depuis quand? Donc comme tout le monde, t'as cette vidéo à l'époque, il dit ça c'est mon truc parce que ça englobe tout. Vu que j'étais dans le Kempo, le Kempo c'est pieds points plus sol. Mmh. Donc je me suis dit ça c'est fait pour moi et depuis je ne cesse de travailler pour ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu pratiques le MMA? Ouais. Ça fait depuis 2000, les années 2000 réellement. D'accord. Yeah.